Fred, l'aventure commence lorsqu'il découvre dans un livre qu'il avait un ancêtre chevalier. Il décide de se zapper au Moyen-Âge, en pleine guerre de 100 ans. Kidnappé sur un chemin de campagne, il tombe entre les mains d'un seigneur qui le forme au dangereux métier de chevalier. Tête ! Jean, tête ! Dis donc, pourquoi veux-tu devenir chevalier ? Pour servir le roi de France, messire. Son maître, et néanmoins ami, est appelé par le roi de France, Philippe VI, pour combattre les Anglais à Crécy. Fred, lui, reste au château et se voit confier la gestion du domaine. Il assiste alors à la naissance de Godefroy le Désiré, qui n'est autre que son ancêtre. Messire, votre premier garçon. La fête bat son plein au château. Le seigneur décide d'organiser un tournoi dont le vainqueur sera proclamé chevalier. Messire, il a l'air méchant. Va te mettre en place et heurte bataille. Malgré un début désastreux, Fred réussit à vaincre son adversaire par un croche-pied pas très réglementaire, mais discret. Tu me connaissais pas ce coup-là, hein ? Il est donc déclaré vainqueur et adoubé chevalier. Lorsque soudain... Regardez ce que j'ai trouvé! Qu'est-ce que cette diablerie? Ah non, messieurs, n'appuyez pas! Laissez-moi tranquille. Non. Oh non! Non! Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce qu'il m'a envoyé? 1348, Fred. Ça ne te rappelle rien. 1348? La peste noire! La plus grande épidémie de tous les temps. Dans le royaume de France, elle a tué un tiers de la population. Ne pense pas, étranger ! Ne sais-tu pas que la peste fait des ravages ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites dans cette tenue ? Je suis médecin. Je me protège ! Et le bec, là ? Ça sert à quoi ? À me tenir éloigné de ta bouche, de ton regard ! Il pourrait me contaminer. Ne me regarde pas! Ah bon? Vous croyez que ça se transmet par le regard, vous? Et elle est due à quoi, cette maladie? C'est lié aux astres! À la rencontre de Mars et de la tête du dragon dans le signe du lion, ignorant! Ah, aux étoiles, quoi? Vous êtes sûr? Absolument. Tu peux me faire confiance? Je fais partie du collège des médecins parisiens, alors... Éloigne-toi, étranger ! Éloigne-toi ! Ne t'inquiète pas, Fred. Tout cela est parfaitement normal. À l'époque, même les médecins ignorent l'origine de cette nouvelle maladie. Incapables de l'identifier et encore moins de la soigner, ils cherchent des coupables. Pour eux, ce sont les astres, le diable, les juifs ou les mendiants. En fait, la peste vient de très loin. Elle apparaît à Caffa, sur les rivages de la mer Noire. Les Génois y ont établi un comptoir commercial. Pour fuir le fléau, ils chargent en hâte leur navire sans savoir que dans leur cale se sont dissimulés des rats infestés de puces. En débarquant à Marseille, ils vont transmettre la peste noire à toute l'Europe. Elle va tuer 25 millions de personnes. En l'espace d'un an et demi, la France et l'Angleterre perdent un tiers de leur population. Avec l'épidémie, la durée de vie passe de 45 ans à 35 ans. Les deux pays suspendent les opérations militaires quelque temps, mais la guerre est loin d'être terminée. Elle va se poursuivre dans la misère et la maladie. Bon, Fred, ne reste pas là. C'est contagieux, la peste. Tu devrais aller faire un tour en 1400. Ça va te détendre un peu. Combien tu dis ? 1400 ? Bon, on peut aller voir, hein. Excusez-moi, on est où là exactement ? À la cour de Charles VI. Charles VI, le roi fou ? Et en ce moment, ça va pas fort. Il est complètement fêlé, il se prend pour du verre. Ah bon ? C'est vrai que pendant 30 ans, le royaume de France a été dirigé par un roi qui faisait des crises de folie. Alors autant vous dire que pendant ce temps-là, dans son dos, ça complotait. Tout le monde voulait prendre le pouvoir, même ses plus proches, pas vrai ? Du coup, les Anglais en ont profité.
Ça va, Charles? M'approchez pas! Je suis en verre, me touchez pas! C'est vrai que ça va pas fort. Charles VI n'en est pas à sa première crise. Sa folie commence en 1392. Alors qu'il se promène dans la forêt du Mans, il tente de tuer les seigneurs de son escorte. Pourtant, malgré sa maladie, il règnera encore pendant 30 ans. Pour des raisons médicalement assez mystérieuses, peut-être Charles VI était-il atteint de dépression, je n'en sais rien, eh bien, il y avait des moments où Charles VI était censé retrouver la plénitude de ses moyens. Par conséquent, les gens se disaient, il est malade pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais il va redevenir normal. Et c'est rétrospectivement que nous voyons que la situation n'a cessé de se dégrader. La faiblesse du roi provoque complots et divisions dans son entourage. Le roi d'Angleterre, Henri V, profite de l'anarchie pour envahir la France en 1415. Son meilleur allié, c'est lui, le duc de Bourgogne, qui possède un important duché. Quant à Charles VI, affaibli et manipulé, il est contraint de déshériter son fils Charles VII et de céder son royaume aux Anglais. Ça a été absolument catastrophique, parce que c'est la folie de Charles VI, la France frappée au chef, qui a relancé la guerre de Cent Ans. Probablement la guerre de Cent Ans se serait arrêtée au début du XVe siècle ou à la fin du XIVe. À la mort de Charles VI, les Anglais, alliés aux Bourguignons, règnent sur la moitié nord de la France et sur l'Aquitaine. Le roi de France, Charles VII, ne possède plus que le centre et le sud. On le surnomme le petit roi de Bourges. Il faut attendre l'année 1429 pour que l'espoir renaisse dans le royaume de France. Merci, mon père. Appelle-moi mon frère. C'est pas prudent de se déplacer sans escorte. J'ai remarqué, ouais. Avec les Anglais, les Bourguignons, les Armagnacs, les mercenaires. Ça pisse, ça égorge à tout va. Et vous, vous promenez bien tout seul. J'ai le bon Dieu, moi, qui me protège. Je comprends. Allez, viens. On va faire la route ensemble. Où est-ce que vous allez comme ça, mon frère? À la cour du roi. Charles VII, le petit roi de Bourges? Eh ouais. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? J'ai été convoqué pour mener l'enquête sur une jeune fille, une certaine Jeanne, je crois. Elle dit qu'elle est pucelle, et puis en plus elle prétend entendre les voix de Dieu qui lui commandent de sauver le royaume de France. Ah bon? Le sort du royaume de France sur les épaules d'une fraîche jeune fille. C'est te dire. Vous n'avez pas l'air convaincu. Bon. Rien d'étonnant, Fred. Qui aurait pu imaginer à l'époque que Jeanne d'Arc, cette petite bergère venue de Don Rémy en Lorraine, allait bouleverser l'histoire de France? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas si difficile que ça à l'époque médiévale d'être accueilli à la cour du roi. D'abord parce qu'il y a un principe qui veut que le roi soit accessible absolument à tous ses sujets. Et puis Jeanne n'est pas du tout la première. À partir des années 1350, c'est-à-dire au moment des grandes défaites et puis ensuite des grandes révoltes, toute une série de femmes sont venues voir le roi avec un message de la part de Dieu. Très vite, Jeanne d'Arc gagne la confiance de Charles VII. Mais comme elle se dit envoyée de Dieu, le roi confie à des moines franciscains et à des docteurs de l'Église le soin d'enquêter sur elle. Ah bah ils ont l'air de bien s'amuser ici, il y a de l'ambiance. Allez, asseyez-vous, mon frère, je vais vous offrir un verre, vous l'avez bien mérité. Je me demande comment elle va finir, cette Jeanne. J'espère qu'elle est vraiment envoyée par Dieu, sinon ça va chauffer pour elle. Pardon, mon frère, mais vous avez peut-être pas tort. De toute façon, aujourd'hui, l'église commence à brûler n'importe qui, pour n'importe quoi. C'est sorcière. C'est elle. J'ai retrouvé.
Qu'est-ce qu'il raconte, une sorcière? Je le disais, ils sont devenus fous. Mais tout ça, c'est des superstitions, laisse tomber. Hé, hey, toi, lâche cette femme! Mais je peux pas, monsieur! Écoutez, hier, elle m'a donné à boire un filtre d'amour. Ce matin, ma femme m'a quitté. Mais qu'est-ce qu'il raconte, un filtre de quoi? C'est une potion, tout ça, c'est des balivernes. Mais non, c'est une sorcière! Ah, c'est pas une sorcière! Mon copain te dit que c'est pas une sorcière, laisse tomber! Eh oui, Fred, c'est cela aussi la France du Moyen-Âge. Dans les campagnes, on croit beaucoup au pouvoir des sorcières pour envoûter un voisin ou guérir une maladie. Mais quand ça ne marche pas, on n'hésite pas à les lyncher. On trouve parmi les sorcières aussi bien des mères de famille bien insérées, pourvues de nombreux enfants et appartenant aux élites du village, qui sont jalousées par leurs voisins et donc dénoncées. Parce qu'il faut bien voir que ce n'est pas l'Église qui poursuit, enfin c'est l'Église qui poursuit, mais il faut que les voisins dénoncent. Pour l'Église, les sorcières complotent avec le diable. Ce sont des hérétiques qui méritent le bûcher. C'est aussi à l'époque de la guerre de Cent Ans que progressivement, alors qu'autrefois il y avait surtout des sorciers, des clercs savants, on s'est mis à croire qu'il n'y avait plus que des sorcières. Autrement dit, on a accusé les femmes de ce que les hommes faisaient. Ainsi commence en France la grande chasse aux sorcières. À la fin du XVe siècle, après la publication du livre « Le marteau des sorcières », la sorcellerie deviendra le plus abominable des crimes. Durant deux siècles, des milliers de femmes seront torturées et brûlées sur les places publiques. 72 ans, mes seigneurs. Ce qu'elle a dit, elle a 172 ans. Elle est complètement cinglée. Encore une qui prétend avoir bu l'élixir de longue vie. C'est quoi ça, l'élixir de longue vie? Mais c'est un breuvage préparé par Cornelius. C'est un alchimiste qui vit là-bas, à deux lieues d'ici. C'est des sornettes, tout ça. Un alchimiste? Ça m'intéresse. Vous m'emmenez le voir, mon frère? Mais t'oublie pas que j'ai rendez-vous à la cour du roi, alors pas longtemps. Ouais, pas longtemps. Allez. Dans quelle aventure tu t'embarques encore? Allez, suis-moi. Oula! Où est-ce que vous m'emmenez, mon frère? Mais dis donc, faut savoir ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Comme d'habitude, je suppose qu'il cherche à percer le secret de la pierre philosophale. La pierre philosophale? Qu'est-ce que c'est? Une sorte de matière qui posséderait d'énormes pouvoirs. Une poudre rouge. Regarde, regarde, ça doit être ça. Mais ça sert à quoi? Les alchimistes prétendent que ça transformerait les métaux en or. Rien que ça? Non, c'est pas tout. Ça prolongerait la vie. Et ça guérirait de toutes les maladies. Une sorte de miracle, quoi. Enfin, bon, je continue ma route, moi, j'ai pas que ça à faire. Attends, bouge pas, il a presque fini, on va voir si ça marche. Eh ben, je pars devant. Tu me rejoindras. D'accord. Des gouttes d'élixir, monseigneur. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça sert à quoi? C'est un élixir de longue vie, sans maladie. Vous pourriez même devenir invisible. Invisible? Ça, je sais déjà faire. Regardez-moi bien. C'est ça, Fred. Fais-lui le coup, on va bien rire. Ça marche! Vous avez trouvé le secret de la pierre philosophale, monseigneur? Pas du tout, Cornelius. En revanche, j'ai une zapette. Allez, bonne continuation. Salut. Zapette. 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 Zapetarum. Zapetum. Zapetum. Tel est prix qu'il croyait prendre. Zapetum. Il faut dire qu'au Moyen-Âge, les alchimistes sont bien souvent des charlatans. Gilles de Rais, un proche du roi Charles VII, en fut lui-même victime. Il pensait s'enrichir rapidement, mais il en deviendra fou. Énormément de gens en ont abusé d'autres. Encore récemment, à la télévision, certaines personnes prétendaient faire des transformations alchimiques. Une fois de plus, je pense que l'authentique alchimiste, celui qui a réellement trouvé cette transmutation de métaux, transformer quelque chose du vil métal en de l'or, qui signifie la pureté, c'est d'abord transformer lui-même. Et à ce moment-là, il ne fait pas étalage, il est ailleurs, il est sur un autre plan, et c'est devenu un sage et un philosophe. C'est le véritable but de l'alchimie.
Une légende raconte que Nicolas Flamel, au XVe siècle, aurait réussi à percer le secret de la sagesse et à fabriquer de l'or. Mystère. Toutefois, les recherches des alchimistes ont permis de faire des découvertes dans des domaines très divers. On imagine toujours l'alchimie comme une science occulte qui doit déboucher sur la pierre philosophale ou sur des données assez ésotériques. Or, ce qu'on ne voit pas, c'est tout les données latérales de l'alchimie qui va assez vite se diviser en plusieurs branches, certaines réservées à la recherche de plantes médicinales, en teinturerie, d'autres effectivement en transformation de métaux. Par exemple, l'évolution de la poudre a été due à un moine qui était un grand alchimiste. L'alchimie disparaît au XVIIIe siècle pour faire place à la chimie. Mais elle compte encore quelques adeptes aujourd'hui. Allez Fred, grouille-toi un peu. Ce serait quand même dommage d'arriver en retard à la guerre de 100 ans. C'est pas vrai, ça recommence. You, again. Eh, je vous préviens, approchez pas, hein, parce que mon copain le moine, il est pas loin, hein. Oui, nous le savons. Nous l'avons laissé passer tout à l'heure, nous ne sommes point stupides. Fred, t'as quand même le chic pour te mettre dans le pétrin. Tiens, qu'est-ce que je te disais? Lâchez-moi! Où est-ce que vous m'emmenez? Qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est une bricole! Une bricole! C'est une blague! C'est de l'humour anglois! Yes! Cool! Oh! Bienvenue sur British Airways! Même pas mal! Puis ça tombe bien! Je vais par là! Allez, arrête de t'amuser, dépêche-toi! Les Anglais font le siège d'Orléans, on va pas t'attendre! Dépêche-toi, t'en as de bonnes, toi! Je fais ce que je peux! C'est quoi ton histoire d'Orléans? Enfin, Fred, souviens-toi, les Anglais veulent prendre Orléans pour traverser la Loire et conquérir le reste du royaume. Mais les Orléanais organisent leur défense et se barricadent derrière leurs remparts. Les Anglais vont donc tenir le siège devant la ville. Un siège au Moyen-Âge se heurte à une difficulté principale qui est la portée des arcs et en même temps le poids des armures. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble de fortifications que j'ai derrière moi, vous avez 160 mètres à faire, 30 kilos sur le dos, l'échelle à dresser, il faut monter sur l'échelle, il faut se battre, déjà vous êtes un petit peu fatigué. Et en haut, ils vous attendent avec d'énormes marmites remplies d'eau chaude. Les habitants résistent aux attaques répétées des Anglais, mais privés de ravitaillement, ils commencent à manquer de nourriture. Quand les gens n'ont plus rien à manger, ils proposent de céder. Et très souvent, à ce moment-là, on signe une composition. C'est-à-dire que la garnison sort avec ses bagages, et puis la ville est livrée, mais dans ce cas, il n'y a pas de pillage. Inversement, si on n'arrive pas à un accord, la ville est prise par assaut, et dans ce cas, les citadins sont pillés, les femmes sont violées, les gens sont emmenés en prison, etc. C'est la catastrophe. Orléans refuse de se livrer aux Anglais. La résistance dure 7 mois. Pendant ce temps, à la cour de Charles VII, on attend avec impatience les conclusions de l'enquête sur Jeanne d'Arc. Excusez-moi, je cherche un moine avec une moustache et un gourdin, vous l'auriez vu? Il doit arriver d'un moment à l'autre. Il doit faire une déclaration. Très bien, je vous remercie. Un peu de silence, mes seigneurs. Un peu de silence. Après en avoir délibéré avec mes frères franciscains et avec les docteurs de l'université de Poitiers, nous en concluons que Jeanne la Pucelle n'est ni une hérétique, ni inspirée du démon. Et qu'on ne voit rien que de bien en son fait. Un peu de silence, messeigneurs, un peu de silence. En conséquence, notre bon roi Charles VII a décidé de lui accorder sa confiance et de lui confier les armes pour aller délivrer la ville d'Orléans. Je ne dois faire aucune déclaration à la presse. Aucune. Âgée seulement de 17 ans, Jeanne d'Arc prend ainsi la tête d'une armée de chevaliers et de soldats à qui elle va surtout transmettre la foi qui l'animait.
De toute façon, le roi allait envoyer une armée à Orléans. Simplement, Jeanne d'Arc l'a accompagnée avec un étendard. Ce n'était pas une idée si extraordinaire. Il y avait d'autres porte-étendards qui ne participaient pas au combat. Et à l'origine, ce qu'on a demandé à Jeanne d'Arc, c'était ça, d'être un porte-étendard qui manifestait le soutien de Dieu et qui donnait le moral à tout le monde. On ne lui a pas demandé de stratégie au moment du siège d'Orléans. Le 8 mai 1429, Jeanne d'Arc réussit à faire lever le siège d'Orléans. Puis elle conduit Charles VII à Reims pour le faire sacrer roi de France. Une grande partie du peuple se rallie à sa cause. La mission de Jeanne est terminée. Mais un an plus tard, elle est capturée par les Bourguignons et vendue aux Anglais qui la jugent pour hérésie. Les Anglais croyaient implicitement que Jeanne d'Arc portait chance à l'armée royale et que tant que Jeanne d'Arc serait dans l'armée royale, celle-ci serait victorieuse. Alors il leur importait énormément de retirer Jeanne d'Arc du circuit, quoique soit la mettre en prison, soit la tuer, simplement pour que désormais les Français soient vaincus. Au terme d'un procès de 4 mois, mené par des juges alliés des Anglais, Jeanne d'Arc est conduite au bûcher. Elle est brûlée vive à Rouen le 31 mai 1431. Mais avec elle, va naître l'idée d'une nation française. Je vous ai vraiment trouvé très bien, mon frère. Hein. Moi, je me pose des questions. Dites-moi. J'aimerais bien savoir comment toute cette guerre va se finir. Ah ben ça, je peux vous le dire. Pour Jeanne d'Arc, pas très bien. Mais pour le Royaume de France, ça va plutôt bien s'arranger. Tu m'intrigues, toi. Mais comment tu peux savoir tout ça? Parce que je le sais. Bon, vous m'excusez, mais il faut que j'aille donner des nouvelles à un ami. Et encore merci, mon frère. Messire. Messire. Retour en 1346. Monseigneur. Le bonjour, chevalier. Où diable étais-tu donc passé? J'ai une excellente nouvelle. Je peux vous raconter la fin de la guerre de Cent Ans. Faites seulement, ça me passionne. Alors, après les victoires de Jeanne d'Arc... Il ne la connaît pas, mais c'est pas grave. Évidemment. Après donc les victoires de Jeanne d'Arc, le roi de France va reprendre plein de villes, dont Paris, en 1436. Oui. Oh. Après, il va créer une armée permanente, la première véritable armée en France. Et ça, c'était... En 45. En 1445, c'est ça. Et surtout plus tard, on reprend la Normandie. La Normandie. Quelques années plus tard, en 53, la Guyenne. La Guyenne. Ce qui explique que nous pourrions dire que la guerre de Cent Ans se termine... En 1453. On peut dire ça? On peut le dire. 53. Dites-moi, il y a quelque chose qui me gêne. La guerre commence en 1337 et elle se termine en 1453. Ça fait pas 100 ans, ça? Faites le compte. 38. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Il compte toujours aussi mal. Oh là là, t'as raison. J'ai trouvé 116. Eh ben alors, pourquoi on l'appelle la guerre de 100 ans, la guerre de 116 ans? Je sais pas, moi. On aurait pu l'appeler la guerre de 116 ans, la guerre de 100 ans. Mais évidemment. Évidemment. On aurait pu le faire. Ça. En fait, Robert... Oui? Comment tu connais la fin de l'histoire? Mais je l'ai lu. Mais où? Dans ton grimoire. Mon livre. Tu l'as oublié lors de ton départ. Que je me suis jamais expliqué d'ailleurs. Ah c'est bien, hein. C'est très bien. C'est mal écrit. Et surtout, c'est truffé de fautes de François. Et je me comprends. Il y en a tout le long. We'll be right back.